La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch. Alors si t'as envie de nous rejoindre, bah n'hésite pas. En plus de ça, il y a un planning qui est mis en place toutes les semaines. Et en plus, on est en live tous les jours, sauf le dimanche, parce qu'après, faut pas déconner, faut quand même dormir. Yo tout le monde, c'est Kilira, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, on se retrouve pour un petit setup tour. Vous avez été très nombreux depuis des années à me demander ce que j'utilisais pour record, le matériel que j'utilise pour stream. Et du coup, aujourd'hui, bah, je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur mon bureau, tout ce que j'utilise pour streamer, tout ce que j'utilise pour record, les lumières que j'utilise, les logiciels de capture. Voilà, je vais tout vous expliquer en détail. Petite parenthèse, si vous voyez cette tête de gros zombie, c'est juste que je suis malade actuellement. Donc du coup, cela ne me sert à rien de me maquiller. Je passe mon temps littéralement à me moucher, donc ça ne sert à rien. Donc vous allez faire avec cette tête, de toute façon vous allez la voir pendant quoi, 2 minutes de vidéo, pas plus, qu'après vous allez voir que le bureau. Du coup je pense qu'on va pas perdre plus de temps et je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a sur mon bureau. Donc on va commencer les amis avec ce setup tour par le côté gauche du bureau tout simplement. Le côté juste ici, aucun intérêt, hein, pas très important, à part juste ici bébé Yoda que j'ai imprimé en 3D, que je trouve d'une mignonnerie. Mais il est genre juste trop mignon en fait, c'est tout. C'est bébé Yoda, il est juste tout mignon. Et je l'ai imprimé en 3D, puis du coup je l'ai laissé sur le bureau parce que je le trouvais cool, il faudrait que je voie pour le peindre. Pour le moment, voilà, je ne l'ai pas encore fait. Donc, on va commencer avec le côté audio. Donc, c'est un Astro A40TR, voilà ce que j'utilise, avec son mix-amp qui est juste ici. Moi, ça fait maintenant, je sais pas, je dirais 2 ans que j'ai l'Astro A40TR et franchement je m'en plains pas, je le trouve juste dingue, je le trouve vraiment top en termes de qualité, il est vraiment cool, il simule la 7.1 vraiment super bien. Je peux vous dire que quand je suis sur The Last of Us, les claqueurs on les entend bien derrière moi ou bien sur les côtés, je suis capable de savoir où il se situe et franchement il fait le taf de ouf. Je sais qu'il y a un nouvel Astro qui est sorti mais je me suis pas spécialement renseignée sur celui-ci, celui-ci me va très très bien donc j'ai pas envie de changer personnellement. Quand haut-parleur, j'ai des Logitech, alors mais le plus simple au monde, hein, je peux vous dire, ça fait 9 ans que j'ai ces enceintes là, je ne vous mens pas, je crois même qu'elles ont 10 ans et elles font le taf. Bon, j'ai celle de gauche ou droite, je sais plus, qui commence à déconner, qui marche plus à des moments. Là, elle s'est mise à refonctionner, mais des fois elles sautent, mais elles sont vieilles aussi. Mais moi, ça fait le taf, j'ai pas besoin de plus. Je veux pas avoir un système d'home cinéma ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de ça personnellement. Moi, ça me va très bien en fait. C'est juste pour quand j'ai pas envie de mettre le casque, pas envie de me prendre la tête, je me pose et je mets ça. Ici, au niveau du clavier, j'utilise un clavier SteelSeries Apex. Vous allez avoir tous les noms qui vont afficher sur les, qui vont être affichés pardon sur l'écran juste ici et tous les liens si vous voulez dans la description. Tous les persos un clavier avec une multitude de touches sur le côté. J'avais besoin de pas mal de touches parce que moi j'aime bien paramétrer, faire des macros. Moi je trouve ça hyper important, ça me permet de gagner du temps et franchement il est cool ce clavier. Après moi j'étais habituée, avant j'avais un Razer Deathstalker et en fait j'étais habituée aux fines touches et là c'est pas le cas avec lui, c'est pas du tout des fines touches, les touches sont assez grosses. Et le seul truc que j'ai à redire dessus, si vous êtes un peu comme moi, fan de lumière, tout ça, je suis déçue parce que ces lumières à lui sont pas insane en fait. C'est-à-dire qu'à côté, j'avais anciennement le clavier de chez Klim, et je peux vous dire que les lumières sont hyper flash. Là, le orange, il est pâle, le rouge, il est pâle aussi. Les LED sont pas hyper puissantes à l'intérieur, il y a aussi des lumières sur le côté. Bah, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Attendez, ne bougez pas, j'espère ne pas arracher tout... tout le setup, voilà, juste ici, il y a des lumières sur les côtés. Déçu juste par rapport aux lumières, c'est le seul truc que j'ai à redire. Ensuite, ce que j'utilise, hop, on va aller là, hop là, bonjour. Ce que j'utilise après au niveau des lunettes, parce que je me protège les yeux, c'est très très important, j'avance le micro juste ici. C'est très très important de se protéger les yeux, surtout après des grosses sessions de game. Ce que j'utilise tout simplement, c'est des guenards. Juste ici, elles sont trop bien. Elles sont juste trop bien, trop belles. J'ai mis du temps à choisir parce que j'avais peur qu'on soit clairement sur un mood Harry Potter, là. Les lunettes, je me suis dit, bon, je me fais une cicatrice et on est clairement dans un bail Harry Potter. Mais elles sont super bien, franchement. J'ai rien à redire dessus non plus. J'ai pas eu de problème avec. Elles sont fines. Donc, du coup, très agréable. Quand tu mets un casque, ça te défonce pas les côtés. Donc, c'est très, très agréable. D'ailleurs, les amis, guettez un petit peu les réseaux sociaux. Il est possible que je fasse gagner une paire prochainement. Je ne donne pas plus d'informations, mais prochainement, il est possible de gagner une paire. Donc juste ici après on a deuxième décoration et la seule d'ailleurs, c'est la deuxième et dernière décoration. On a un petit Spyro que j'ai acheté sur le site de Zavi si je dis pas de bêtises pendant les promotions et en fait soit je pose mon téléphone dessus soit je pose mes lunettes. À la base tu peux l'utiliser pour porter plus les manettes mais bon moi ça marche pour le téléphone, les lunettes et les manettes donc bon. J'adore l'univers de Spyro, c'est l'un des premiers jeux que j'ai fait quand j'étais toute petite sur la PS1 donc du coup bah voilà je l'ai trouvé trop mignon ce petit Spyro et je me suis dit il est juste trop cool, il est juste trop cool. Ensuite ce que
que j'utilise juste ici pour... là, ça va plus être côté stream, en fait, pour le coup, puisque sur YouTube, j'en ai pas l'utilité. Mais par contre, sur Twitch, j'utilise, en fait, Streamlabs OBS pour streamer. Et après, en logiciel que j'utilise à côté, bah, j'utilise Stream Deck, en fait, tout simplement. Ça me permet, grâce à ça, de gérer mes scènes. Donc, je peux lancer mon écran de démarrage, lancer ma scène Talk Game, mais aussi très bien utiliser la... Hop, le petit troll. Alors, vous allez pas bien le voir, du coup. Alors, je vais essayer de vous rapprocher au maximum. Mais non. Mais non. Putain, ça n'arrive qu'à moi. Mon trépied vient de lâcher. Il vient littéralement de tomber, en fait. Il ne tient plus. J'ai une chance de combien, sans déconner, j'en peux plus. Alors, on va passer en mode manuel, hein, tout simplement. On va pas s'embêter. Bon, bah, lui aussi a fait son temps, du coup. Alors, on va passer en mode manuel, les amis. Désolé, du coup, si ça bouge un petit peu. Donc, comme je vous l'ai expliqué, juste ici, j'ai la possibilité... Attendez, je baisse un peu le micro. Juste ici, j'ai la possibilité, en fait, de pouvoir gérer mes scènes de stream. Je vais pouvoir lancer des émotes en direct. Ça, en fait, j'utilise surtout pendant les just chatting, en fait, quand on fait de la react. C'est assez rigolo. J'ai la possibilité de modifier ma voix, de couper mon micro, de couper le son du jeu, ou bien même de couper le son de mes amis sur TS Discord. Je peux gérer mes lumières indépendamment, je peux mettre Spotify. Bref, c'est juste insane quand on est dans le monde du streaming. Le Stream Deck, c'est juste trop bien. Ensuite, passons au tapis de souris, les amis. Donc moi, tapis de souris, j'utilise perso un tapis de souris XXL. Celui-ci vient de la marque OK et il est très très cool. Il est très très cool, mon petit Michel. Si tu cherches un petit tapis en grand format, pas très cher, mais alors je le conseille mille fois, réellement, mille fois, parce qu'il est juste trop bien et je déteste les tout petits tapis de souris, je ne supporte pas ça. Celui-ci est vraiment cool, ça me permet en même temps, bon là j'ai mis la tasse à côté, mais de poser des trucs dessus sans avoir peur d'abîmer mon bureau en parallèle. Donc si vous cherchez un grand tapis de souris, bah, celui-ci vient de la marque OK, vous pouvez le trouver sur Amazon, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos, il est très très bien, il fait le taf et c'est cool. Deuxième tapis de souris ensuite, juste ici, celui-ci vient de chez Klim, il commence à être usé, on voit avec le temps, c'est un tapis RGB, hop, je vais vous mettre ça là, je suis désolée si vous m'entendez de loin, mais de loin, hop, je peux changer la couleur du tapis comme je le souhaite, hein, tout simplement. Voilà, moi je vais le remettre en rouge, ça me va très bien. Donc, du coup, le tapis de souris vient de chez Klim, ça fait un bout de temps que j'utilise, il est en RGB, ils ont sorti une version XXL aussi, si vous voulez le checker. Passons à la souris, les amis. Alors moi, vous allez voir la souris 12 touches directement de chez... c'est une Razer Naga Trinity, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai besoin de souris comme ça, en fait, c'est tout. J'ai juste besoin de souris comme ça. Moi, j'ai besoin de grosses souris et de souris à plusieurs touches. J'en ai besoin, je suis une joueuse MMO et j'ai besoin de mettre des macros sur mes trucs, même quand je joue à des jeux comme The Forest, Green Hell, j'ai besoin de foutre des macros partout en fait, c'est d'où pourquoi aussi j'ai un clavier avec des macros sur les côtés, une souris avec des macros, j'ai besoin de faire des macros constamment, ne me demandez pas pourquoi, j'ai ce besoin de faire des macros, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes comme ça, mais en tout cas moi j'ai ce besoin. Vous pouvez télécharger aussi le logiciel pour régler et paramétrer dessus la lumière que vous souhaitez et plein d'autres trucs, moi perso je l'ai pas mis, je sais plus si je peux... Ah non, on peut pas enlever en dessous. Je savais plus si on pouvait enlever sur le côté, mais pas du tout. On ne peut pas enlever. Donc ensuite, ici, mais qu'est-ce qu'on a? On a rien de spécial. On a une bébé poubelle où j'ai rien foutu dedans. On a la Nintendo Switch qui me permet bah, de jouer notamment Animal Crossing. Ici, il y a la PS4, bah, celle que j'utilise du coup pour... Alors, la Nintendo Switch, c'est l'édition classique. Hein, voilà. La PS4, c'est ma première PS4 que j'ai achetée quasi à sa sortie. Elle coûtait cher à sa sortie. Et c'est une 500 Go. C'est la classique de chez classique. J'ai jamais eu une merde avec. Moi, elle me va très bien personnellement. Attendez, vous allez commencer à m'entendre un peu de loin. Je le sais bien. Mais du coup, voilà, édition classique, on peut pas faire plus. Les manettes sont en charge parce que ce soir, on repart sur The Last of Us. Derrière, qu'avons-nous? Derrière, qu'avons-nous? Alors là, j'espère que vous allez m'entendre correctement. En fait, derrière, j'ai un hub USB de la marque OK. Je veux pas 10 000 choses dessus, j'aime pas quand ça traîne. Je veux que ça soit efficace et je veux essayer d'arranger au mieux mes câbles, que ça se voie le moins possible. Bon, là, vous allez voir, c'est un petit peu le bordel parce que récemment, j'ai dû bouger plein de trucs. Du coup, j'ai débranché, j'ai pas refait de câble management parce que je déménage soon, donc du coup je me suis pas trop embêtée à refaire quelque chose d'hyper propre parce que bah, ça ne sert à rien, mais donc j'ai un hub USB qui est juste ici, qui est fort sympathique, de la marque OK, je vous mettrai tout dans la description, il fait bien le taf, vous devez le brancher sur secteur et puis après je crois qu'il a 8, attendez, 3, 4, 5, 6, 6,
6 ou 8, je ne sais plus, je vous mettrai ça dans la description, port USB, et ça fait très très bien le taf. Ici, deuxième enceinte, Logitech. Juste ici, ce que vous voyez, le petit boîtier, c'est tout simplement le boîtier de l'HTC Vive, donc rien d'important. Ensuite, au niveau des écrans, qu'est-ce que j'utilise ? Ici, c'est un écran de chez Samsung. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos, de toute façon, elle s'affichera sur l'écran. On me voit, coucou ! Coucou. Donc un écran incurvé, mais qui est très beau, franchement, qui est très très beau. Attendez, je vais vous enlever le mode jaune, parce qu'en fait, il y a un mode, voilà, il y a un mode jaune dessus. Moi, je le mets pour protéger mes yeux quand je suis en record, peu importe. En fait, il est tout le temps constamment allumé, sauf sur The Last of Us où je désactive parce que bah, du coup, c'est assez sombre et je veux rien rater, en fait. Et des fois, je vois que dalle avec le mode jaune. Donc, écran de chez Samsung ici. Là, alors cet écran-là, si vous me connaissez bien, si vous vous souvenez de ma première vidéo setup tour, en fait, ça, c'était mon écran principal que j'ai gardé parce qu'il fait le taf. Il fait le taf. Il va bien et pour le moment j'ai pas envie de le virer. La seule chose qui a changé, c'est que du coup je ne suis plus avec des pieds classiques, en fait le pied des écrans. J'ai acheté directement un gros bras qui me permet de connecter mes deux écrans ensemble. Ça me permet à la fois de mettre à niveau mes écrans parce que vous voyez qu'il y a une différence de taille. Celui-ci est un 32 pouces, celui-ci un 27 si je dis pas de bêtises. Oui, normalement ça c'est un 32 et ça c'est un 27. J'arrive pas à aller sur des écrans plus petits. Je sais qu'il y en a les 24, ça leur va très bien. Moi je ne peux pas. En fait c'est juste que je ne peux pas, je suis habituée aux gros écrans et j'aimerais bien par la suite en avoir trois comme ça, enfin deux autres comme ça, mais c'est pas... Pour le moment, c'est pas hyper important. Au niveau des éclairages, du coup, j'utilise personnellement des Keylight de chez Elgato. Ça fait très bien le taf aussi. On peut régler l'intensité, on peut régler en parallèle avoir une lumière chaude, avoir une lumière froide. Perso, je sais que celle-ci est plus froide et celle-ci est plus chaude en lumière. Et alors, vous allez vous dire, mais pourquoi tu ne les retournes pas contre ta gueule? Parce que en fait j'utilise tout simplement le système de rebond, vu que mon mur est clair par rapport à ces murs-ci, mon mur est clair, donc en fait je renvoie la lumière sur le mur, et c'est comme ça que je fais déjà pour ne pas me bousiller les yeux, parce que ça fait peut-être 2 ans que je les ai, et 2 ans que je les utilise face contre ma gueule, et ça fait genre que 2 mois. Ouais, je crois, ça fait même pas 2 mois que j'ai pris la décision de les retourner comme ça. Finalement, le fond vert fonctionne du feu de Dieu, on me voit nickel, et je ne me bousille plus les yeux. Parce que je peux vous dire qu'avoir ça constamment sur la gueule quand on stream, tous les streamers le savent, c'est juste un enfer. Tu te bousilles la gueule. À la fin, quand tu les coupes tes yeux, ils te remercient. Du coup, c'est une Logitech C920 que j'utilise, c'est très très bien aussi. Ici, j'en ai acheté une autre, alors celle-là, je vous la conseille pas. En fait, j'en ai deux, mais j'utilise constamment celle-ci. Celle-ci, je l'utilise pas parce que c'est une merde sans nom, réellement. C'est une Logitech C920, mais celle-ci, elle vient de chez Amazon. Et je m'étais dit, bah, c'est écrit C920, donc c'est bon. Je n'arrive pas à la paramétrer. Elle fait planter mes streams, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que, elle, j'ai pas de problème. Elle fait planter mon stream, j'arrive pas à la paramétrer. La colorimétrie n'est pas pareille, ne fonctionne pas de la même façon que celle-ci. Là, je vous la conseille pas. Si vous la voyez sur Amazon, ne la prenez pas. La Logitech C920 version Amazon, réellement, ne l'achetez pas. Réellement, c'est une merde, ne l'achetez pas. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vous ai même pas dit avec quoi je recorde le son. Ici, j'utilise un bras de chez Rode, personnellement, pour qui est très bien. Il est, alors, le truc fonctionne du feu de Dieu. Tu peux le bouger à gauche, à droite, tu peux le baisser, le monter. Là, je le bouge pas trop parce que c'est avec ça que je recorde, du coup, ça va faire bizarre. Mais tu peux le baisser, le monter, le mettre comme tu veux. Il est trop bien. Ici, Rode NT USB. Pour ma part, il est trop bien. J'aimerais par la suite avoir un compresseur parce que quand je gueule en live, bon bah forcément, hein, ça... Ah bah ça grésille un peu, hein. Ça grésille un peu, mais il est super bien. En plus, j'ai vu que récemment, il avait baissé de prix. J'aurais voulu qu'il baisse de prix quand je l'avais acheté à l'époque, mais il est trop bien. Ça, c'est fourni avec le filtre anti-pop. Il y a ici des boutons pour pouvoir le paramétrer. Moi, perso, je ne touche pas, il est parfait comme ça. Je ne veux pas le toucher plus que ça. Juste ici, après, on a la bête. On a la bête, on a la tour. Alors... Là, on va pas s'emmerder, je vais tout vous mettre maintenant, affiché à l'écran, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations pour cette tour, beaucoup trop d'informations pour ce qu'elle comporte, et avec ma mémoire de Dory, je saurais pas tout vous expliquer, je suis désolée d'avance si le micro change, mais là en fait, le Rode va être trop loin, du coup je pense que ça va pas capter comme il faut. Donc, juste ici... j'essaie de parler plus fort peut-être pour que le micro le détecte. Juste ici, j'ai une tour de chez Be Quiet. Mon Dieu que j'ai eu des merdes avec cette tour. Mon Dieu que j'ai eu des merdes. La première fois que je l'ai reçue, elle est arrivée cassée en 1000 morceaux.
elle est super lourde et elle arrivait vraiment mais pétée, c'est-à-dire que la porte qui est ici est arrivée cassée, elle était ouverte, pliée en deux, un enfer, juste un enfer. Donc c'est la Dark Pro Base je crois, ou pas du tout, peut-être la Be Quiet Dark, je ne sais plus, je vous mettrai tout ça de façon affichée à l'écran, vous allez voir, je la trouve ouf cette tour, je l'ai surtout pris, alors elle n'est pas donnée. Je crois qu'elle m'a coûté aux alentours de 300 balles la tour nue. C'est la première fois que je faisais un investissement comme ça. Mon ancienne tour que j'avais, la Predator, ça faisait 7 ans peut-être que je l'avais, je sais plus, ça faisait des années. J'étais arrivée à bout, elle était foutue, beaucoup trop petite pour accueillir le nouveau matériel que j'avais. Du coup, il y avait le côté en fait qui était full ouvert, je pouvais rien en faire. Elle surchauffait de ouf, les ports USB avant ne fonctionnaient plus. Bref, elle avait fait son temps et je l'avais bien utilisée. Et là, j'ai voulu investir dans une tour qui ne faisait pas de bruit parce que la Predator édition, l'ancienne que j'avais, en fait, elle était cool, elle était belle, mais elle faisait taquer le bruit, en fait. L'alliage, enfin, était pas de super bonne qualité, du coup, ça vibrait comme pas possible. Et j'ai voulu quelque chose de discret. Et quoi de mieux que Be Quiet, pour le coup, d'avoir, pour avoir quelque chose de discret. Donc, cette tour est vraiment conçue, pour le coup, pour fermer sa gueule et être la plus discrète possible. Le verre, je sais plus les, en combien en épaisseur, mais je peux vous dire qu'il est très, très épais, le verre. Et grâce à ça, on n'entend rien, on n'entend juste rien. Juste ici, je vais vous ouvrir, en fait, on a un panel, hop, à ouvrir. Ah bah d'ailleurs, il serait peut-être temps de passer un petit coup de poussière, quoi, hein. Je dis ça, je dis rien. On a une mousse ici qui permet de réduire tout simplement les vibrations. Je sais plus où est mon... J'ai un ventilateur ici, j'en ai pas mis là, mais why not par la suite, pourquoi pas. Ah si, j'ai un ventilateur là, je dis des bêtises, pardon. J'ai un ventilateur ici aussi. Donc, ça réduit tellement, il y a de la mousse. Le système de nettoyage est très très bien pour le nettoyer. Là, je vais pas... J'ai juste à, en fait, déclipser cette zone-là et nettoyer, c'est très très rapide. Là, je vais le refermer. Du coup, ça isole super bien sur le côté, si vous demandez comment c'est, bah c'est comme ça. Ici, c'est une zone pour mettre un SSD. Ici, j'en profite, je recorde mes vidéos sur console, que ce soit Nintendo Switch, PS4, peu importe, avec un Elgato HD60S. Si vous posez la question, il est juste ici, c'est le Elgato HD60S pour les consoles. Donc, revenons à la tour. Ici, on a des USB 3.0, on a une entrée micro, bref, casque. On a de la lumière, USB 3.0, USB... 3.1 pardon, et là c'est flash, j'ai plus le nom, je n'ai plus le nom. Ici sur la tour je peux recharger aussi en parallèle mon téléphone, il y a une charge à induction en fait, donc ça c'est vachement pratique. C'est, ça m'a fait aussi me dire bon écoute, pourquoi pas. Ici j'utilise aussi un module de chez OK, encore une fois, disponible sur Amazon, je vous mettrai de toute façon tout en description. On a du USB type C, pardon, du HDMI, du USB. Ici, pour les micro SD, les SD, tellement bien parce que moi justement, la vidéo là que je suis en train de tourner, bah après il faut que je rentre ma carte SD. Donc c'est ce que j'utilise personnellement. C'est super petit, franchement regardez, c'est tout petit hein. C'est vraiment tout petit, vous avez en plus de ça, elle est à côté, une petite pochette pour la transporter avec, voilà, c'est un petit bonus. Mais ça fait toujours plaisir, ça se glisse dans le sac, ça prend pas de place, en plus de ça on peut emporter ses données assez rapidement. Ici j'ai une ring light, alors là elle est comme ça, elle est en bordel, je la pose ici, c'est si j'en ai besoin pour faire des photos ou ce genre de choses, elle est là, j'ai une ring light. À l'intérieur de cette tour, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse, qu'y a-t-il à l'intérieur? Et ben tout s'affiche à partir de maintenant tout simplement parce qu'il y a énormément d'informations, comme je vous ai dit, je ne saurais pas tout vous ressortir. Je sais que je dois avoir 4-5 disques durs, dont 2 SSD à l'intérieur, de chez Samsung je crois principalement. J'ai une RTX 2080 Ti, avant j'avais une GTX, une GTX, elle était con, 660 je crois. Elle est arrivée à bout, hein. elle a canné, et du coup après je suis passée, j'ai upgrade. Ensuite, le ventilateur vient de chez Be Quiet aussi, j'ai pas de problème, j'ai 16 Go de RAM. Je suis pas en 32, alors vous allez me dire pourquoi t'es pas en 32. Personnellement, pour le moment, j'en vois pas l'intérêt, mon PC souffre pas de ne pas avoir de 32 Go de RAM, donc pour le moment... pas trop besoin. Cette tour là aussi, ce que je kiffe avec, c'est qu'elle est complètement modulable. Mon alimentation est là, mais vous ne la voyez pas parce qu'en fait il y a un cache qui protège l'alimentation, du coup on ne voit rien. On peut complètement la moduler, c'est-à-dire que si je ne voulais pas les racks SS, les disques durs ici, bah il n'y avait pas de problème en fait. Je pouvais complètement, je peux démonter la tour à 100% et tout inverser. Si je voulais ne pas mettre le cache, je ne mettais pas le cache. Si la carte mère, je voulais la mettre différemment, je pouvais la mettre différemment. Si les ventilateurs, je voulais les poser autrement, je pouvais les poser autrement. C'est vraiment trop bien foutu. Cette tour est juste trop bien faite. Et je regrette absolument pas mon achat. Elle est juste trop bien. Je peux aussi lui changer ses couleurs. Juste ici, je prends en appuyant sur le bouton si je dis pas de conneries. Voilà, je peux lui changer ses couleurs.
Moi, personnellement, le bleu est pas mal, hein, franchement. Alors ça, j'aime bien. Ce petit orange, là, pas dégueulasse. On a un petit violet, celui-là, blanc, un classique. Hein. Un classique. Juste ici, on peut faire en sorte qu'elle clignote, on peut faire en sorte qu'il y ait du RGB. Ce qu'il faut savoir aussi avec cette tour, c'est que juste ici... Ouh là, pardon, je vous ai fait un fuck. Juste ici, en fait, vous avez des LED, elles s'allument. Et moi, en fait, ma carte mère, malheureusement, il me faudrait un modèle au-dessus pour avoir tout simplement les petits ports qui sont nécessaires pour allumer la tour. C'est-à-dire que elle a plein de petits modules, en fait, qui sont fournis. Et moi, ma carte mère, en fait, n'est pas compatible avec ces modules-là. Du coup, elle ne propose pas les couleurs juste ici. Donc, ça dégoûte. Hein. On va pas se mentir, ça dégoûte clairement. Mais bon, c'est pas grave. Ça change en rien la qualité de la tour. C'est qu'un détail. Et le jour où je changerai de carte mère, je pourrai allumer le petit palier sur le côté. Bah, écoutez, les amis, je crois que j'ai fait le tour de ce petit setup tour. Alors, je suis pas la plus douée au monde pour faire un setup tour. Le dernier date d'il y a maintenant des années, on va pas se mentir. Ça date d'il y a très très longtemps. Donc, j'espère que j'ai fait tout le tour de ce que j'utilise. Si vous voulez savoir, pardon, ce que j'utilise en logiciel de montage, j'utilise Adobe Premiere Pro. C'est le logiciel que j'utilise pour monter toutes mes vidéos. Si vous voulez savoir ce que j'utilise après comme logiciel pour streamer sur Twitch, j'utilise Streamlabs OBS. Une fois bien configuré, moi je le trouve hyper simple, j'ai pas de problème avec. Ensuite, ce que j'utilise pour record, j'utilise Shadowplay. Tout simplement le logiciel de Shadowplay avec le système Nvidia. Pour le son, bah juste ici, Audacity, du coup avec mon micro Rode. Et je crois que c'est tout, comme je vous l'ai dit précédemment aussi, pour record tout ce qui est console, donc ma PS4 avec l'aventure The Last of Us, ou bien la Switch ou Xbox, peu importe. Ce que j'utilise, c'est un Elgato HD60F qui fait parfaitement le taf, je n'ai pas besoin de plus. Je voudrais me dire que mon petit thé est en train de refroidir comme jamais. Et après, pour la chaise, bon, là, c'est la chaise de chez Klim. J'ai celle-ci qui est juste là, ma première, et j'ai la deuxième qui est juste ici. Elle est très très bien, j'ai posé là le pied qui est tombé, vous savez, tout à l'heure, et j'ai posé ici un stabilisateur, je ne vous le conseille absolument pas, c'est un Newer, je l'ai acheté sur Amazon, c'est de la merde. Alors j'utilise uniquement quand je record, en fait, c'est pour poser ma caméra dessus, mais sinon je ne vous le conseille absolument pas, réellement c'est de la merde, c'est réellement de la merde. Donc du coup, par contre, cette chaise de chez Klim, pardon, est d'un confort monstrueux, petit siège baquet, moi je suis petite, je me sens si bien à l'intérieur, on peut augmenter juste ici et faire pivoter les côté, c'est vraiment trop bien. On peut reculer aussi la chaise, la mettre en mode dodo, c'est ce que je fais des fois quand j'utilise, quand je veux regarder un film pour me poser tout simplement. Donc voilà, cette chaise là vient de chez Klim, et d'ailleurs vous avez un code promo les amis, puisque je suis partenaire Klim, et je disclaimer, c'est quand même grave de dire ça, mais encore une fois, dans cette vidéo, à aucun moment il y a du sponsor ou quoi que ce soit, c'est juste que je vous en parle, voilà. Donc de toute façon, tout est listé en barre d'infos, mais je crois qu'on a fait le tour les amis. Après, il y a toute la déco juste ici. Ça, je pense pas qu'il faut une vidéo dédiée pour la déco, ça reste de la décoration, pas besoin de plus pour le coup. Mais je pense qu'on aura bien fait le tour, les copains. Donc du coup, voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo setup. J'espère tout cœur que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça a été le cas. Je vous fais à tous de très très gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !